parle-moi de Dracula. Dracula, c'était quelqu'un qui me faisait peur. C'était synonyme de sang, c'était le froid. Dracula, pour moi, quand j'étais jeune, c'était Christopher Lee. Christopher Lee a fait plusieurs films de Dracula. Dracula a été une image assez forte pour tout le monde, j'ai l'impression. Nous sommes ce que nous sommes, des hommes. Que savez-vous de vous? Que savons-nous de nous? Jonathan Harker, qui est un journaliste très solide, c'est une personne qui est sur le terrain. Ce que j'ai vu, ce que je vois, je me dois de l'écrire et de vous prévenir, le pire est à venir. Et Jonathan est pris de Mina, est amoureux de Mina. Et puis un jour arrive un monsieur avec des grandes dents et qui veut me prendre ma Mina. Dans le passé, Elimina, c'est la reine des damnés, tout simplement, c'est la fille du roi d'Hongrie. Et donc, elle va contaminer notre prince guerrier, qui est Vlad Dracula. Et dans le futur, je suis le personnage de Mina Harker, qui est celle en qui Dracula va reconnaître celle qu'il a aimée dans le passé. Dans le fond, c'est la réincarnation de Elimina. Que le ciel s'éloigne de moi, le ciel se porte bien de toi. Tu es du royaume des enfers. Renfield, c'est mon photographe. Partout où je vais faire des reportages dans le monde, Renfield est toujours avec moi. Mais c'est un personnage qui est aux antipodes de ce que je suis. Moi, je suis un super de bon gars et lui est un dépravé. Au plus profond de ma souffrance, couché près d'un diable à trois cornes. C'est un toxicomane, c'est un gars qui trippe, c'est un gars qui sort. Ça y arrive de dormir ailleurs. Ce que j'ai vu, ce que je vois, est un grand bateau ivre. On brûle tous nos livres, que Dieu nous en délivre. C'est un médecin érudit, chercheur, qui, avec sa fille Lucie, sillonne les chemins d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, en 2050. Lucie, franchement, c'est le fun de voir l'évolution du personnage qui est une paysanne. Après ça, une jeune fille, puis elle veut sortir, elle veut aller se promener, elle veut aller vivre, voir le monde, elle veut se promener dans les rues de sa ville, puis son frère, il veut pas, puis Colin, qu'elle aurait dû l'écouter. A été totalement vidé de son sang. Quand j'ai entendu Pourquoi, qui est le solo de Van Helsing, qui vient de perdre sa fille et qui règle ses comptes avec Dieu lui-même, je me suis dit, OK, il y a de la viande autour de l'os, là, c'est une grosse toune. Dis-moi pourquoi ton nom cause de désespoir. Dis-moi pourquoi, réponds. Je veux savoir. Nous, on est comme l'ombre de Dracula. On est l'extension de Dracula. Et ton corps couvre la puissance de la bouche. À travers nous, il va pouvoir continuer à séduire davantage. Oui, il se sert des vampires de oui. Pour séduire d'autres personnages dans la pièce. Abandonne ton âme, renie ton existence. Il y a certaines pièces que j'écoute, moi, puis je me mets à pleurer. Nous sommes ce que nous sommes, des hommes. J'avoue que nous sommes ce que nous sommes, le texte est assez puissant. Nous avons sanctifié Mao, nous avons permis Tiananmen, Franco, Salazar, Castro, Pinochet, Staline.
Ben Laden. C'est vraiment un mea culpa qu'on fait dans cette chanson-là en disant que regarde ce qu'on a fait de la Terre. On, chaque fois qu'on a quelqu'un de bon, on l'assassine, on le tue, ou on met au monde des êtres humains qui après ça vont nous détruire. Plus aucun signe d'innocence, la grande noire serait partout. Nous avons tué l'espérance, nous sommes assoiffés de puissance. Ça fait réfléchir, c'est pas juste la petite chansonnette puis du divertissement. Nous sommes ce que nous sommes, des hommes. C'est fort, c'est vraiment fort. Que savez-vous de vous, que savons-nous de nous? Donne-nous. Dracula, c'est un mythe qui revient, puis qui revient, puis qui revient. Donc, il y a quelque chose qui accroche dans notre inconscient collectif de très fort. Amen, la tendresse dans l'âme des humains. Dracula, c'est pas un être totalement sombre et totalement meurtrier comme on a toujours vu. Il y a un côté amoureux dans lui. Mon soleil déchiré, ma princesse bien-aimée, avant que tout s'éteigne, ma souveraine. C'est un personnage qui a souffert, qui a été un homme avant, qui, sur des années, cherche quelque chose. Elmina! Ce manque-là peut, à la rigueur, être la raison de certaines violences, d'une haine, d'une colère. Le pouvoir du sang! On va se rendre compte que c'est d'abord et avant tout une grande souffrance. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de notre histoire. Quand je ne serai plus qu'une étrange légende, un demi-dieu vaincu dans son château de cendres, quand le diable aura dit, c'est lui que j'ai maudit.